Eh bien, salut tout le monde, c'est Bleach et on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode numéro 5 de Borderlands 2. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va plutôt bien. Oula. Bordement lunaire. Ok. Et aujourd'hui, ben, on va faire ce qu'on devait faire la dernière fois. Donc, parler au gardien devant la porte. Ok. Ok, d'accord. Parler au garde devant la porte. Oui, je viens de le faire, non? Je crois. Peut-être qu'il va m'ouvrir. Je pense que tu vas. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va plutôt bien. Alors, nickel, il m'ouvre. Voilà. Donc, une fois avoir parlé au gardien de la porte, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Je veux dire, flûte. Roland a besoin de ton aide. Sans toi, les pillards écarlates n'ont aucune chance contre Jack. S'il te plaît, essaie de trouver où est passé Roland. D'accord, donc parler au mécanicien de la ville, c'est à gauche. Alors on va aller parler au mécanicien de Sanctuary. Ouais, ça a l'air assez sympathique comme ville. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi je trouve que c'est plutôt cool. Alors bon, ouais, c'est perso, mais c'est vrai que non, ça me semble assez sympathique comme petite ville. Alors on va aller voir le mécano qui se trouve là, et je vous laisse écouter. Oh crotte! T'es de chez Hyperion? Il paraît que vous êtes tous des robots et que vous bouffez la ferraille dans les poubelles! Je savais que votre bande de machines à tuer viendrait me chercher après le départ de Roland. Si tu veux me faire la peau, faut que je te dise. Tu mourras jamais vivant, saloperie de robot! Il est un petit peu bizarre, d'accord. Ça c'est Scooter. D'après ce que j'ai remarqué, enfin d'après ce qu'il y avait marqué. D'accord, ça je veux bien, non, je veux pas récupérer, tant pis. On va un peu voir ce qu'il nous raconte, ce monsieur Scooter. Tu vas nous filer un coup de main pour Roland? Les gars des pillards écarlates en ont causé devant moi. Roland m'a dit que s'il disparaissait, je devais déclencher le plan B. Que j'appelle le plan transformer la ville en une putain de forteresse volante qui balance des grosses steaks. Mais ça c'est sympa son plan B. Bon attendez, alors en attendant qu'il parle, moi je vais récupérer un petit peu ce qu'il y a là, hein, parce que ça sert à rien. Ah, merci pour l'iridium, c'est sympa. J'ai 5 iridium. Ça s'annonce plutôt cool. Ah, je vais récupérer ce pistolet. Ouais, en plus j'aime bien, nickel, parfait. Juste, je peux... J'ai quand même pas grand-chose. Enfin, j'ai l'impression que dans mon sac, je peux pas mettre grand-chose. Qu'est-ce qui est complètement pourri, qui me sert à rien? Ce que je peux faire, c'est que je peux revendre. Alors, combien celui-là me coûte? Oh, la revente, il vaut rien. Alors, bon, ça sert à rien. Au niveau du ramassage de cellules, donc ramasser... Prendre l'iridium, ok. J'ai une cellule sur deux et l'autre cellule, elle est où? C'est un pistolet, d'accord. L'autre cellule doit se trouver en haut, ok. Alors on va récupérer l'autre cellule qui doit être récupérée. Tac. Et elle est au centre de la ville, ok. Donc on va aller amorcer l'allumage, d'accord. Donc en gros, d'après ce qu'il a dit, il aurait fait la ville comme, enfin, une forteresse volante. C'est-à-dire qu'il a peut-être installé. Qu'il a peut-être installé, genre, par exemple. Si je me trompe pas dans mes mots. Il a peut-être installé des réacteurs dessous, je sais pas. Alors, installer la première cellule énergétique, réaliser le plan B de Scooter. Ok, bon, ben alors on va aller là-bas, tranquillement, avec nos deux armes. Donc, celle-ci et celle-là. Sympa ces deux armes. Le pistolet s'annonce assez sympa aussi. Donc, bon, pour le moment. C'est vrai que j'ai l'impression que l'histoire avance pas trop en fait, je sais pas pourquoi. Mais non, c'est sympa, ça reste assez sympa comme truc et on verra bien. J'espère qu'elle va durer un peu longtemps parce que sinon c'est pas rigolo. Et d'ici la semaine prochaine, faire un achat chez Elden Ring, ok. D'ici la semaine prochaine, une nouvelle série, voire peut-être deux, devrait arriver. J'espère.
J'espère du moins. Oh, ok, il veut quoi en fait? Maintenant, faire un affiche, c'est hors de dingue. Ok. Ce que je veux? Allez, ce que je veux. Alors. Oh, je vais mettre. Amiros, augmente. Tac. Ok. Vendre des améliorations. Bon! Déjà, on a fait un joli achat à Sanctuary chez notre ami. Je sais même plus comment il s'appelait. C'est pas grave, on s'en fout. En gros, on sait qu'on a acheté des places, de la place. Attends, on peut pas marcher là-dessus. De la place pour notre sac à dos. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est plutôt cool. Même, c'est sympa parce que j'en avais vraiment besoin. Alors, je sais pas. Ah, ok, c'est dans personnel, d'accord. Je sais. Ah non, c'est dans bouclier. Alors, je sais pas. Peut-être que c'est. Peut-être que j'ai le droit de mettre des armes. Je ne sais pas trop. Alors. Ah, ok. Ah ok, donc en gros là où on est c'est un gros vaisseau. Ok, c'est plutôt une idée. Alors maintenant réaliser le plan B de scooter. Je pense qu'il faut que je retourne le voir. Non, pas du tout. C'est par là, je sais pas. Alors allez chez Roland. Je pense que c'est ça. Parler au pillard écarlate. Ouais, c'est ça. C'est presque ça. Je sais pas. Pillard écarlate, je crois l'avoir vu tout à l'heure. Si, la pillard écarlate. C'est ça. C'est un honneur de rencontrer un chasseur de l'arche. Ah, non, c'est pas lui. C'est pas grave. Ok, c'est lui. Vas-y, donne-moi ton message. Et récupérer la clé pour accéder au centre. Oh, et oh, merci. Récupérer le message audio, 1100 d'XP, fouiller le centre commercial. Ok. Ok, bah voilà, j'ai gagné. Hey, soldat, super, parfait. Si tu entends ce message, c'est que j'ai des ennuis. En ce moment, tu es la seule personne qui puisse se dresser entre cette ville, enfin, la planète entière, et l'armée du beau Jack. Je t'ai laissé des infos dans mon coffre-fort. Tu peux y ranger ce que tu veux. C'est chez toi maintenant. Bon courage. Ok. Eh ben ça s'annonce bon. Ah. Non. Oui. Bonjour madame. Alors, accéder au coffre de Roland. Alors d'abord je vais lui carotte tout ce qu'il peut avoir dans ses machines à laver, hein, parce que monsieur range des balles dans ses machines à laver, bien sûr. Ce qui reste néanmoins extrêmement logique. Alors actionner. Oh oui, s'il te plaît. Mais non, laisse-moi rentrer, je vais avoir les armes et tout ce qu'il y a dedans. Putain. Ça, c'est pas très sympathique de sa part, tant pis. Alors. Là, c'est tout. Là, je prends pas. D'accord. Bon, bah, ça doit sûrement être là. Bon, ça, c'est un coffre. Ça, c'est du coffre. Hein. Alors, attendez, là, juste avant le coffre-fort. Ça me semble être une salle un peu bizarre. Ok. Un balcon. Bon, ouais, c'est. C'est sympa chez lui, j'aime bien. Alors on va aller accéder au coffre et voir un petit peu. Objet de mission, enregistreur écho. Ok, ben, on va le mettre là. J'ai découvert la planque, utilisez la... Ok. C'était, vous avez bien compris ce que j'ai dit, donc c'est parfait. Genre le pire chasseur de prime tueur de masse. Oh merde. Si le faucon ardent l'a chopé, Roland est très très mal. Fonce à Frostborn Canyon et sauve-le. Si Roland est prisonnier du faucon ardent, il court un grand danger. Il n'y a que toi qui puisse arrêter Jack. Mais c'est Roland le cerveau de l'opération. Enfin, façon de parler. C'est lui qui connaît les points faibles d'Hyperion. Ok. Allez, bah, donc on va aller à Frostburn. Je vais dire café, mais non, c'est Frostburn Canyon. J'espère qu'on aura le temps d'y arriver, que ça sera pas trop long. Normalement, on ne pourrait pas accéder à un autolock pour pouvoir récupérer une voiture, si c'est en plus c'est lui, c'est pas lui qui les faisait, d'après ce que je me rappelle, c'est lui qui nous emmerdait avec ces voitures là, enfin, je me dis peut-être des conneries, ah mais c'est là en fait, il est scooters, ok, D-A-H-L, D-A-H-L ça me dit quelque chose, ah mais si, c'est quoi ça, ah non, c'est quoi ça, ah ça c'est peut-être le bouclier, ah oui mais oui c'est le bouclier, c'est vrai, alors on va aller dans Frostburn Canyon, de là où on vient en fait finalement,
Annoncé The 311 Divide. Oh, sympa l'arme en tout cas là. Moi je veux bien ça là, si on me la prête, je la prends. Allez, on va aller à 311 Divide. On va récupérer un véhicule si on en trouve un, c'est-à-dire ici. Et on va aller à Frostburn Canyon. Alors, l'autolock. En même temps, je crois que c'est pas. Mitrailleuse légère. Lance-roquette. Camouflage par défaut. Wow. Attention, je peux modifier le camouflage. Allez, mort sur la route. Déployer les véhicules et monter dedans. Ah ouais, c'est quand même mieux un lance-roquette. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faut suivre la route maintenant, éviter de se perdre. On va faire la carte d'ailleurs parce que je me connais très très bien même. Il faut que j'aille là. Ah, il faut que je tourne à gauche alors. Frostburn Canyon, ok, c'est là. Donc il faut que dès que je peux, je tourne à gauche. C'est ça. On va niquer les racks. On va éviter de niquer les racks. Voilà, c'est plus simple comme ça. Et on va rejoindre Roland. Enfin, on va essayer de rejoindre Roland. Oh non, on me dit pas que c'est par là là. Ah oui, d'accord. Oui, oui, je vois très très bien où c'est. J'ai même pas besoin d'indication. Je sais très bien où c'est. C'est juste là-dedans. En fait, il faut que je rentre dans cette pseudo-ville. Alors là, il y a un truc aussi, un autolock ou je sais pas quoi. Et on va partir là-bas. Alors j'espère qu'il n'y a pas de méchants ici. Ouais, mytho. Ok. Je sais pas ce qu'ils me veulent, mais. Je vais pas être très copain avec eux, hein. Ça, soyez-en sûr. Hop là, voilà. Non, merde. Comment ça? Ok, ma voiture, en fait, ma voiture, elle va finir que. Ouais, bah, je pense que comme ça, c'est mieux quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Bon, ça leur fait pas énormément de dégâts, mais bon. Enfin, 195 quand même, donc c'est pas. C'est non négligeable, je pense. Oula. Éviter de se faire tuer inutilement. On va sortir en évitant de se faire tuer comme une merde, hein, parce que. On se connaît aussi, hein. Ok, alors ce pistolet, c'est du gros caca. Enfin, c'est du gros caca. Non, c'est pas du gros caca, mais il faut savoir le gérer. Alors, le nabo pyromane, merci bien, mais ça va aller, hein. Non, 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 non. Oh, ce flashcope de ouf. Enfin, non, on n'est pas là pour faire des flashcopes, on est là pour... ouais, bah, si tu me le donnes, je le récupère, hein. De toute façon, c'est toujours ça de prix. Alors, des balles, on peut voir ce qu'on peut récupérer. Strictement rien. Attendez, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça, cette fameuse... Ok, donc j'ai bien 3 emplacements d'armes. Cool. Ouais, bon, bah, d'accord. Oh putain, il me crame l'autre. Alors suivi à pompe, il est pas terrible terrible. Ce qui est sympa, c'est que juste il peut tirer rapidement. Bon, ça reste un pompe hein, quand même après. Mais bon, c'est pas trop mon truc de prédilection. C'est vrai que je suis plus sniper et j'aurais dû prendre le personnage en fonction avec les snipers. J'ai pas pensé, je suis un peu con, c'est vrai. Ça, je l'avoue que j'avoue que c'est vraiment pas très très intelligent. Ma part, donc je suis mort, c'est pas grave. Ça c'est bien dans le jeu, on meurt souvent, mais alors. Vas-y, toi t'es mort, mais ainsi. On va récupérer un petit peu ce qu'on peut. On va récupérer des balles si on peut aussi. Tac, 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 tac. Non, c'est bon. Un peu d'argent, ça peut être sympa aussi. Voilà, bon, j'ai pas énormément d'argent, mais bon, j'en ai un petit peu. Ça peut être toujours assez sympa. J'ai plus de vie aussi, c'est pas trop sympa ça par contre. Alors, Frostburn Canyon, on peut voir si on trouve des armes et un petit peu de choses appropriées qui peuvent être assez sympas. Peut-être, peut-être pas. Le faucon ardent est quelque part par ici. Sois sur tes gardes. Après Jack, le faucon est la personne la plus dangereuse de cette planète. Enfin, oula, oula. Il y a bien quelqu'un qui oula, là. Moi je veux pas, toi. Je veux pas avoir affaire avec eux. On dirait que les sans-pitié veulent attaquer le repère du faucon ardent. Ils ont sûrement laissé des indices pour guider les renforts.
Il devrait te mener jusqu'au Faucon Ardent. Ou sinon, tu n'as qu'à suivre les hurlements. Reste en dehors de ça, chasseur de l'Arche. Ça se passe entre les Sans-Pitié et le Faucon Ardent. Lorsque mes gars l'auront ramené par la peau du derche, on le fera payer pour chaque Sans-Pitié qu'il a buté. L'ordure, on va le fouetter avec ses propres tripes. Ok, bon. Faut que je suive les panneaux. Merci pour tous ces détails. Ça, c'est quoi ça? C'est un panneau, ça? Je sais pas, en fait, la gueule des panneaux. Je connais pas la gueule des panneaux, donc c'est vrai que c'est un petit peu dur. Des chiottes, hein. Il y a quelqu'un qui va sortir de là, c'est obligé. Parce que c'est trop facile, sinon, en fait. J'ai un peu peur que ce soit un petit peu trop facile. Oh. Oh, mais non, mais dis pas non. Non, non, mais non, c'est des chiottes, là. Je veux bien les ouvrir, s'il te plaît. Bon, bah, je peux pas. Alors, tant pis, on va aller voler les boîtes aux lettres. Ah. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est des balles, d'après eux c'est des balles. Ok, donc ça c'est bon. Alors on va suivre les panneaux, mais la gueule des panneaux, c'est quoi la gueule des panneaux? C'est bien rigolo de savoir qu'il y a des panneaux et tout ça. Oh putain, c'est quoi cette merde? Oh, oh merde. Ah, ok, bon bah allez, battez-vous, hein. Moi je ne vous connais pas, je suis innocent, alors me frappez pas, je n'ai rien fait. Ah, ok, bon bah ils sont pas vraiment avec moi, mais ils sont pas vraiment contre moi, donc c'est pas trop mal. Ils se frappent sur la gueule, hein. Moi j'ai rien à voir avec eux. Panneau, un panneau qui est là. Alors toi tu... Ah oui, sauf toi tu m'attaques par contre. Non, voilà, moi si tu m'attaques, je vais pas t'aimer, hein, tout de suite. Ça pète l'amour entre nous deux, hein. Faut pas croire à des choses bizarres non plus, donc un deuxième panneau, ça c'est bon. Alors, une petite sauvegarde automatique. Juste, je fais un petit tour, voir s'il n'y a pas des choses assez intéressantes. Non, pas grand chose. Hein. Aïe, j'ai perdu. Non, j'ai même pas perdu de vie. Ça. Bon, le steak barbare, hein, et pas steak tartare, hein, attention, pas de. Hein? on se comprend, on va pas faire des allusions au steak tartare. Eh vas-y, j'ai rien fait, hein. Alors s'il te plaît. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont avec moi alors. Toi tu vas mourir, voilà. Oh là là. Oh merde. Oh merde. Oh non 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 non, ça c'est pas bon ça. Hypménoptère, je sais pas quoi là. Non, non, merci. Oula, oula, alors ça a l'air d'être un petit peu du level, quoi. Oh, putain. Elle perd 12 de vie, c'est quoi ce bordel? Oh là là, oula là, oula là. Franchement, je le sens super mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais ça... Oh putain, là là, je n'ai rien fait, s'il te plaît, ne me tire pas dessus, tire sur les autres. Si tu veux, on s'aide, mais ne me tire pas dessus, s'il te plaît, ça serait sympa. Je crois qu'il était censé être avec les autres, moi, ou avec moi, j'en sais rien, mais... Ah ok, eux non plus ne sont pas ensemble, d'accord, alors qui est avec qui? Moi je comprends plus rien. Désolé, mais franchement, je comprends mais vraiment plus rien du tout. L'un qui est avec l'un, l'autre qui est avec l'autre. Battez-vous, moi j'ai rien à voir avec vous, je suis innocent, j'ai rien fait de mal. Enfin, à part vous tuer, quoi. Et voilà, hein. On va dire ça comme ça. Hop. Oulala, oulala, non, 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 j'aime pas ces bruits. J'aime pas ces bruits, moi je me barre. Je suis un peu lâche, mais j'aime bien. Alors. Lui s'est fait violenter, ça c'est d'accord. Ok, bon là aussi ils se font... C'est violent, ils sont en train de se frapper sur la gueule. Moi je vais passer à côté, ni vu ni connu, je t'enrhume, je te fais tout ce que tu veux. Oh putain merde, j'ai déjà le gobelet à tout petit mot tout à l'heure. Oulala, 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 oulala. Voilà, toi t'es mort aussi. Pas mort mais presque. Même entre eux j'ai l'impression qu'ils se frappent en fait. C'est un peu ouf mais... C'est bien réel en fait.
Non mais il perd pas de vie, c'est un truc juste ça. Gros liat fatal, c'est-à-dire. Oh putain. Ok, franchement je crois que le meilleur moyen c'est de se barrer rapidement. Parce que sinon on est mort, mais alors on est complètement mort, mes armes elles ne servent mais d'une force strictement pourrie, hein. Elles servent strictement à rien. Ça je vous le dis. Regardez, c'est un truc de taré. Au revoir. Oh là là, mais comment c'est impossible. Par contre, lui, je veux bien le tuer. Ouais, nickel, parfait. Il parle de Roland là depuis tout à l'heure, mais en fait, moi, je suis tellement en train de me faire violer. Oh là là, c'est quoi ça encore? Oh là là. Vas-y, j'ai rien demandé, je vous ai pas demandé votre avis là. Je suis pas méchant, hein, excusez-moi, mais. J'aurais dû faire quelques missions annexes, je pense, en attendant. Oh non, putain, pas ça. Pas les trucs un petit peu chelous là. Ah, lui, il était pas très dur à tuer. C'est les enflammés qui étaient un petit peu chauds. Oh putain, le bordel! Oh, sente, oh là 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 là. Et regardez-moi un peu tous ceux que j'ai derrière. Alors, j'étais censé être avec les autres là, je sais pas quoi. Merci. Avec plaisir. Lui, il me lance pas des petits de petits couteaux de lancer là. Il me lance des haches carrément, lui. Oh là là, oh là là, oh là là. Je sais pas où aller, je sais pas. Oh putain, non, ouais, va quand même pas trop loin, mon petit Bleach. Ça va pas le faire. C'est chaud, ça devient franchement très très chaud. Hein. Ouais, mais c'est impossible, il est trop violent lui. Eh, vas-y, dépêche-toi. Wouhouhou. Je suis sorti, mais c'était épique là. Franchement, faire mieux que ça, je crois que c'est impossible. Vas-y, dépêche-toi d'aller au prochain. Oh là 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 là, mais laissez tomber quoi. Tu vois, des pièges. Ne te laisse surtout pas avoir. Ouais, bah trop tard. Hein. J'aimerais te dire trop tard, mademoiselle. Oh, wow. Ok, bon, bah, dommage. C'était quand même bien tenté à la base. Mais c'était un petit peu compliqué. Je crois que. Entre temps, je vais faire quelques petites missions annexes. Hein, sans totalement vous le filmer, mais les faire parce que c'est vraiment très très chaud. J'ai. Bah alors, pas du tout les armes adéquates. Wow. Putain, c'est où ça? Ah, mais c'est complètement super loin. Oh, mais non, en fait, tous les mecs que j'ai tués sur la route. Enfin, que j'ai pas tué d'ailleurs sur la route. Ah non, 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 mais non, j'étais gentil. Enfin, j'étais. Faut vraiment que je trouve des armes qui envoient du lourd. Parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. J'ai rien. Même mon sniper, je pensais qu'il était bien, mais. 57 de dégâts, c'est pitoyable, c'est pitoyable, franchement c'est pitoyable. Vas-y, ah ben voilà. Oh putain, ils sont sérieux là. J'ai pas fait 4 mètres s'il vous plaît, j'ai pas fait 4 mètres. J'ai pas fait 4 mètres, putain mais c'est pas possible ça. Bordel. Alors, non mais putain, mais je viens de réapparaître, c'est un truc de fou ça. Ou 515, ça fait mal par contre. Bon, est-ce que je peux me barrer 4 secondes et demi et faire I? Voilà. Ouh. Très efficace contre la chair. Ok. Ah. Là, on a quelque chose qui ressemble à une arme. Enfin, qui ressemble à une arme.
Énorme bizarre, mais... Tiens, bouge-toi, là. Allez, ça, c'est fait. Throw grenade. Ok, merci. Oula, oula. Oula, ça, ça fait plaisir, ça, tiens. Pour une fois, ça fait plaisir. Bon, maintenant, what the fuck. Ok, ça, on en a pas besoin. Ça, on en a pas besoin. Ça, je veux bien le récupérer, hein. Si tu me prêtes, je le récupère. On va en avoir encore pour une heure et demie cette mission, ça je le sens bien comme il faut. Mais bon. Ouais, toi t'es décédé aussi, c'est bon. 36 votes, c'est rien du tout, c'est, franchement c'est rien. C'est... Allez, toi tu décèdes. Regardez un peu, regardez un peu. Il prend rien, c'est ouf. Allez, je lui fais rien, regardez, sa vie elle baisse même pas. Oh lui là, vas-y, pends-toi, je sais pas, fais quelque chose. J'ai l'impression que mes armes elles servent mais alors strictement à rien en fait. Ok, donc un chargeur bien placé sur ce spot là, ça le tue. Bon à savoir. Bon à savoir, mais on est quand même pas. Ok. Bon, allez, on a encore plus de vie, c'est sérieux là. Pardon. Pardon. Allez, allez, pousse, pousse. J'ai rien fait, je suis innocent. En dessus, ils veulent bien se ramener. Oh là là. Vas-y, j'ai pas fait 4 mètres que je me fais déjà tirer dessus de partout. Oh putain, merde. Méchant, méchant. J'aime pas le feu, j'aime pas le feu, arrête. Eh vas-y, putain, c'est pas possible de se faire tuer par un bougnoule comme ça, là, voilà. Eh ben putain, oh, sainte. Vous savez quoi, je vais récupérer mon lance-boule. Alors mon lance-boule sera toujours mieux que toutes les armes que j'ai pu utiliser, hein. Vous me le croyez ou pas, c'est pas grave. Super. Franchement, je suis trop content. Un point de sauvegarde auto. Parfait. Alors, pour pouvoir faire un petit peu, je pense, le plein ici, je veux bien récupérer ça, s'il te plaît, et ramasser les dernières balles de sniper. C'est un petit peu mon arme principale. Si j'avais su, j'aurais pris rien que le sniper. Donc, si vous êtes bien, vous êtes content et vous aimez bien être un sniper, prenez le mec de sniper. Hein. Ne vous amusez pas à prendre autre chose. Grenade, l'obus de grenade provoque une explosion standard. Ça sert à rien. Trouver le faucon ardent, super, on va encore voir un boss à tuer. Bon ben je crois qu'il est là. Oula. Malabar. Ok, ils ont quoi comme arme, excusez-moi, juste pour savoir. Bon, c'est ça, ils vont vite être finis, eux. Ah non, finalement, peut-être pas. Malabar, donc ça, c'est les frères, hein, Malabar et Malabour. Oula, ah, c'est ça le faucon. Ah, faucon ardent. Donc, faucon avec des ailes et ardent avec le feu. Salut. Lulith. Aussi appelé faucon ardent. Ah, mais elle a l'air gentille. Salut. La forme? Les bandits me surnomment le faucon ardent, mais je m'appelle Lilith. Je suis avec les pillards comme toi. Je fais régner l'ordre chez les bandits pour que Roland puisse se concentrer sur Jack. Bref, longue histoire. J'ai pas compris. Pour moi, c'était des méchants le départ. J'aimerais bien te soigner, mais laisse-moi te soigner alors. Ouais, voilà.
Sinon, moi, je te mets un coup de tête, hein. Je te mets un coup de lance-grenade, le rogonade et tout ce que tu veux. Merde, ça fait trois fois. Bon, je recharge et après, je te soigne. Hein. Parce qu'on a le swag, alors voilà. Alors, soignement en cours de Lilith ou le faucon ardent. J'avais compris. J'ai besoin d'un petit remontant. Enfin, je sais pas. Va me chercher de l'iridium, tu veux ? Je dois en avoir dans un de ces coffres. Ok. Sympa. Non, c'est très sympa de se dire on arrive, on va se faire un super boss qui déchire et tout. Et le seul truc qu'on arrive, je m'appelle Lilith, j'ai 25 ans, je me suis fait violer et j'ai juste envie, c'est de me faire soigner quoi. Ok, bon bah la prochaine fois je le saurai et je viendrai pas te sauver. Moi je m'attendais à fighter des gens là, un truc bien, pas un truc de merde. Bon tant pis. Bon c'est rien, elle m'a sauvé de Malabar et Babar, hein, c'est déjà pas mal. De la pépite d'iridium, ça c'est cool. Ouais, c'est ça. Tu veux bien m'en donner ? Non, franchement, je vais le garder, je vais me barrer, puis je te laisse la crever, hein. Voilà, c'est. Merci beaucoup. C'est cool. Ok, elle se régénère avec. C'est comme si je bouffais de l'or, quoi, avec mes dents. Je pense que j'aurais plus de dents et que j'aurais. L'or, il aurait rien, lui. Ah, sympa. Merci. Je parie que tu cherches Roland, hein. Il est pas ici. Les entités l'ont capturé. Ils sont surexcités. Il m'avait jamais traqué comme ça. Oh bah je vois qu'il y a un petit souci chez toi. Ah bah voilà. Je sens qu'on va se marrer. Je vais voir si je peux en désintégrer quelques-uns pour toi. Ok. Super, elle me laisse crever comme une merde. Ah non, elle est partie juste là-bas. Ah ouais, c'est cool ça. Ils ont 200 de vie, donc ça c'est bien. Si je leur mets un coup de ce sniper, ils meurent. Ça c'est bon aussi, c'est parfait. Bon, ils sont quand même pas bien forts. Mais pour qu'est-ce qu'ils racontent là? Toute ma vie n'était qu'une blague, je sais pas quoi. Ouais, tiens, regarde. Ça s'appelle du PGM. Oh, je les aime pas eux. Elle sert à... Franchement, hein, pour tout se dire, elle sert strictement à rien. Oula, on va éviter de tomber quand même. Ouh, ça fait pas du bien. Bon, gros port, machin, ok. Vas-y, donne-moi tes... Ah, je peux bien récupérer tes trucs sur tes épaules. C'est pas fini, d'accord, mais ça apparaît où alors? Oh merde! Ça c'est énorme, moi je kiffe. Ouah, énorme ce qu'elle a fait. Bon, ça c'est good. Par contre, j'ai pas compris. Pendant un petit moment, j'avais plus mes deux armes. J'ai pas trop compris ce que j'ai passé dans le truc, mais c'est pas grave. C'est pas trop grave, du moins. J'ai perdu toute ma vie, je suis dead. Pouah! Hey, les amis, hey! Vas-y, décède, hein. Je t'ai rien demandé. Ok, je t'ai rien demandé, donc, mais ne me pète pas les. Les coconiettes, hein. Allez, parfait. Vaincre les bandits. C'est ça mon objectif principal. Depuis tout à l'heure, je tire dans ma pote, donc j'ai plus de... Cool. Eh ben, il y a du sang de partout. Oulolololololololol. Vas-y, boum, ma grenade. Non, je ne veux pas mourir. I don't want to die, hein. Parce que je suis pas, j'ai pas l'âge de mourir. I am don't have any time. Allez, ok, donc je. Oulolo. Oula! Non, ça va aller.
Alors toi tu vas crever par contre. Merci. Une espèce de... Une espèce de MP5, MP5 version, voilà, version Borderlands. Ok, mamie. Ok. Donc ça, non. Allez, toi, D7, c'est parfait. Par contre, je vais juste récupérer mon flingue. Et je vais juste jeter autre chose, quoi. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment pourri. Alors ça, non, j'ai pas besoin d'inspecter. Je vais l'abandonner parce que ça me sert alors de rien, de rien. Et je vais récupérer mon sniper. Ce sera toujours bien plus utile. Et je vais vraiment récupérer mon sniper là ici, à la place de ce truc là qui ressemble un peu à rien. Ok, donc ce bandit Ar-Ir, pardon. Bonjour mademoiselle. Je veux bien, mais les bandits sont toujours pas vaincus là. Ouah, on s'ennuie pas. Je suis un peu vidé quand même. Tu peux me filer une autre dose d'iridium? Putain, la meuf, c'est une droguée, s'il te plaît. Elle a besoin de son iridium pour vivre, c'est ouf. C'est de la weed en fait. L'iridium, c'est de la weed, d'accord. Alors, j'ai compris. J'ai très bien compris ce que c'était. Je veux pas savoir plus. Je veux pas en savoir plus. Ça. Ouais, tiens, prends ta weed. Attention, hein, ça fait mal au cerveau après. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi j'ai des petites... Ouais, regardez en haut à droite de mon viseur, j'ai des petites fleurs. Ça veut dire quoi ça? Cool, t'as des petites fleurs, t'es gentil. Depuis que l'arche a été ouverte, je sais pas. Mes pouvoirs de sirène sont un peu bizarres grâce à ce truc-là, l'iridium. Je sais pas pourquoi. Bon, et si on s'occupait de sauver mon fiancé? Ton fiancé, ouhou. Bon, et eh ben pour le fiancé, on verra ça plus tard, hein, parce que moi c'est bon. Mode de classe raider, classe requise défourailleur, capacité du bouclier moins 26. Oh non. Précision fusil d'assaut plus 29%. Les modes classe sont des avis réservés à une classe qui servent à améliorer les caractéristiques des modes de classe plus rares, offrent même des points de compétences supplémentaires. Non, bon, bah non, on va s'arrêter là, hein. Non. Oh merde, non, je veux désactiver, s'il te plaît, je n'ai rien fait, je suis innocent. Bon, c'est pas grave, nos balles remontent. Alors autant faire remonter les balles assez importantes. Je sais pas ce qu'elle raconte, c'est pas grave. Bon les amis, j'espère que ce petit épisode il vous aura plu. Autant à vous qu'à moi. Non, c'est vrai que ça a été un épisode assez sympathique. J'ai trouvé, du moins. Ok, c'est pas grave. Bon, on va dire portez-vous bien. Faites pas de bêtises. Abonnez-vous à la chaîne et mettez des j'aime et des commentaires et tout ce que vous voulez. Faites tourner la chaîne à vos amis. Dites-leur par leur... Merde. Bon, voilà. Parlez-leur de la chaîne, de cette chaîne. Pour un peu voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Puis on se retrouve très bientôt pour notre prochain épisode. Ciao ciao tout le monde et je vous fais plein de bisous. Ciao.